vous retrouve, on est jeudi 17 juin pour débuter un nouveau reading vlog. Je viens de clôturer l'autre et du coup, à chaque fois, j'enchaîne avec le nouveau puisque j'ai déjà démarré une nouvelle lecture qui est le deuxième tome de la saga The Bone Season. Donc, c'est l'Ordre des Mimes de Samantha Shannon, donc publié aux éditions de Saxus. Il est sorti au mois de mai, je crois, et j'avais très envie de le lire, mais j'avais pas encore pu le caser dans mes lectures. Je l'ai commencé hier et j'en ai lu 90 pages, donc pour l'instant, j'avais un petit peu peur d'avoir oublié quelques trucs, parce que c'est quand même un premier tome qui est très dense, même si je l'avais lu et je l'avais relu déjà, mais il y a tellement de termes différents, il y a pas mal de... y a plein de clairvoyants, il y a des médiums, vous savez, c'est un monde un peu fantastique où vous avez ce genre là en fait qui est mis en avant, avec beaucoup de personnes qui sont dotées justement de pouvoir de clairvoyance, et en fait ils sont un peu ils sont mis de côté par la société, ils sont pas du tout appréciés, ils sont pas mis en avant. Et dans le premier tome, du coup, on va suivre Paige qui va être attrapée par le gouvernement et qui va être mise dans un endroit qui s'appelle Sheol et qui va... une sorte de prison, voilà, sans rentrer dans les détails. Et donc j'avais peur d'avoir un peu oublié ce qui s'était passé. Au niveau des événements, ça va, il y a juste les noms de certains personnages où des fois je suis en mode... je sais plus vraiment qui t'es, mais ça se remet un petit peu dans le contexte au fur et à mesure, donc ça c'est cool. Voilà, donc pour l'instant ça se lit bien, je suis à 90 pages. Je me suis fait une petite session hier avec, avec une musique justement, j'avais partagé ça sur Instagram. J'essaye d'aller sur YouTube et de mettre une musique un peu calme pour lire, et du coup en fait j'enchaîne directement, je peux faire une heure de lecture sans avoir envie d'aller sur mon téléphone ou de faire autre chose, de devoir stopper ma lecture parce que je suis en train de penser à je sais quoi. Donc ça m'aide plutôt bien pour avancer assez rapidement dans ma lecture, donc je suis plutôt contente. Donc je vais essayer de le lire assez rapidement parce que j'aime bien le style d'écriture, se lit beaucoup plus facilement je trouve dans la saga The Bone Season que dans Le Priori de l'Oranger, où je trouvais que des fois ça avait du mal à s'enchaîner. Je trouvais que le style, moi, m'avait pas forcément hyper convaincu dans Priori l'Oranger, et autant dans The Bone Season ça va. Je pense que c'est aussi parce que c'est du fantastique et l'autre c'est de la fantasy, et du coup j'avais eu un peu de mal avec Priori l'Oranger. Moi j'avais pas été non plus hyper convaincue par cette lecture, mais la saga The Bone Season j'aime énormément, et du coup je suis très contente de me lancer là-dedans. Et hier j'ai reçu une petite commande que j'ai passée, je me suis commandée un titre qui n'est absolument pas un genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais c'est la faute à deux chaînes YouTube que j'aime beaucoup regarder en ce moment. J'aime beaucoup regarder leurs vlogs. C'est Petite Lectrice et Du Café et des Livres, qui ont l'habitude de lire du Cozy Mystery, Cozy Murder, et en fait moi je n'ai jamais rien lu de ce genre là et je me suis laissée tenter par un premier tome de saga qui est extrêmement connu. Je pense que voilà, tout le monde connaît cette saga. Et là du coup j'avais réussi à le trouver en offre découverte à 9,90€ au lieu de... je crois qu'il est à quasiment 15€ je crois le grand format, ce qui est franchement plutôt raisonnable pour un livre grand format. Après le format il est un peu format semi-poche j'ai l'impression. Donc c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, qui est du coup le premier tome de la saga Les Détectives du Yorkshire. Donc c'est une saga qui comporte déjà 6 tomes je crois, le 6ème est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. C'est un roman qui est pas très long, il fait 380 pages. Donc je suis extrêmement ravie de commencer un petit peu ce genre-là. Je vous avoue que j'ai pas lu le résumé parce que j'ai juste regardé les avis à chaque fois de la chaîne Du Café et des Livres et de Petite Actrice. Je sais que cette saga est appréciée par énormément de gens. Je pense que c'est un peu le titre valeur sûre pour découvrir ce genre-là. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir cette saga, et j'aime plutôt bien le fait que les dos en fait soient colorés comme ça, j'aime bien. Ça fait un petit peu, ça fait un peu kitsch en fait, mais la couverture est assez sympa. Il y avait une pastille, j'ai prié pour que ce soit une pastille qui s'enlève, effectivement elle s'enlevait. Donc si jamais vous le trouvez sur internet l'offre découverte, n'hésitez pas, la pastille s'enlève, donc elle reste pas sur la couverture. Donc voilà, j'aimerais bien le lire assez rapidement parce que j'ai bien envie de découvrir ce genre-là. Et voilà, j'ai envie de découvrir plein de genres différents en ce moment, donc je lis du contemporain, un peu d'historique, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas découvrir également ce genre-là qui est du cozy mystery là pour cette saga.
Donc voilà un petit peu que je me laisse un peu influencer par d'autres personnes qui font des vidéos YouTube forcément. Donc voilà un petit peu pour ce début de vlog. Je vous reprendrai très prochainement pour du coup vous donner un peu mon avancée sur The Bone Season et pourquoi pas une autre lecture que j'aurais pu commencer. On est dimanche 20 juin. Par rapport à la dernière fois, j'ai déjà terminé The Bone Season. Je voulais vous prendre un petit peu pendant la moitié de ma lecture et au final, je l'ai vraiment un peu bouffé ce roman. Ça s'est lu vraiment tout seul. Donc c'est le tome 2, L'Ordre des Mimes. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome où on est dans un univers un peu fantastique, un peu dystopique en fait, où il y a des clairvoyants, donc plein de personnes qui ont des capacités très différentes liées à la clairvoyance. Vous avez des médiums, vous avez des oracles, enfin il y a énormément de personnes différentes. Et nous, là-dedans, on va suivre Paige, qui est justement une clairvoyante et qui travaille pour un groupe qui fait partie de la pègre. Et du coup, la pègre est composée que de personnes clairvoyantes. C'est des personnes qui sont mises à l'écart par le système. Et du coup, ils essayent un peu de survivre et de faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être chopés par Sion, qui est du coup le système en place. Et dans le premier tome, du coup, Paige va se faire arrêter et va être transportée dans une sorte d'établissement pénitentiaire. Et voilà, là c'est un peu le premier tome. Je vais pas vous faire de résumé par rapport au tome 2 parce que on continue directement par rapport on continue directement les événements par rapport à la fin du premier tome, mais je pensais que ça allait être un peu plus rapide au début. Franchement, c'est uniquement pour ça que je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 au niveau de ma notation sur Goodreads parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le début est un peu long, je dirais que les 200 premières pages, je m'attendais pas à ce que ce soit qu'on parte dans cette direction en fait. Je pensais vraiment qu'on allait partir directement dans un truc beaucoup plus mouvementé et en fait. Quand Paige revient au niveau des personnes qu'elle connaît, en fait, de la pègre, c'est un peu calme et du coup elle arrive pas forcément à se faire entendre. Et voilà, et du coup il y a un passage comme ça où je me suis dit, mais en fait elle baisse les bras, c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend pourquoi elle peut pas faire autrement. Donc franchement, ça a été vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé tout le. J'aime déjà énormément l'univers qu'a créé l'auteur. Je trouve que c'est un univers très riche et qui est assez complexe par contre. Il y a beaucoup de termes et beaucoup de genres différents de clairvoyants. Et du coup, c'est un peu compliqué des fois de se rappeler qui est capable de faire quoi. Là, j'ai trouvé qu'on avait un peu plus de détails, notamment sur Jackson, qui est un peu son mentor en fait dans La Pègre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé avoir plus de détails sur ce personnage. J'ai vraiment bien aimé le fait qu'on ait pas mal d'intrigues et vraiment des magouilles. Ça fait vraiment. Enfin, l'auteur, je trouve qu'elle a vraiment réussi à mettre ça en avant dans son livre. C'est le côté vraiment magouille qu'on peut avoir dans La Pègre, enfin, de ce que moi j'imagine. Et c'était vraiment chouette parce on découvre d'autres cohortes qui sont du coup d'autres groupes en fait de la pègre. On découvre d'autres styles de clairvoyants. On a plein de personnages qui rentrent en jeu dans ce deuxième tome qui sont très importants pour justement le système de la pègre. Et on a toujours les personnes qu'on découvre dans le premier tome. Je peux pas te dire qui ils sont. Ils sont présents, mais vraiment très peu. Mais on sent que dans le tome 3, ça va être. Voilà, ils vont être omniprésents. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lire la suite. Je crois que De Saxus va publier la suite en fin d'année, je sais plus quand exactement. Mais là, franchement, ça se lit tout seul ce tome 2. Si vous aimez l'univers, je pense que vous allez adorer ce tome 2. Parce que vraiment, on continue à suivre Paige, on suit toutes ses aventures, tout ce qu'elle va subir et toutes les magouilles qu'elle essaye de dénouer en fait, de savoir
qui fait n'importe quoi, qui est contre elle, contre les clairvoyants. Enfin voilà, il y a plein de petits questionnements tout au long du roman. Et il y a aussi pas mal d'actions. Franchement, c'est un roman qui se lit très bien parce qu'il y a plein d'actions au fur et à mesure du roman. Petit cliffhanger à la fin que moi personnellement, j'avais vu venir en fait ce truc-là. Donc j'ai pas été surprise par rapport à la fin. Mais globalement, tous les événements qui se passent à la fin, je trouve que c'est... On enchaîne vite en fait, on enchaîne vite les pages parce que on a envie de savoir comment ça va se passer, on découvre encore plus le pouvoir en fait que possède Paige et c'est vraiment chouette. Franchement, j'aime tellement cet univers, je suis tellement bien dedans que moi personnellement ça l'a fait. Et je pense que ça le fera dans les prochains tomes parce que j'adore en fait cet univers de clairvoyant, je trouve que c'est hyper original et je trouve que l'auteur vraiment elle a créé un univers très très riche. Et c'est vraiment, enfin là clairement on est dans la dystopie au vu de ce qui arrive. Au début du premier tome, je sais pas, je me disais qu'on était peut-être dans juste un roman fantastique vu que c'est un Londres du futur. Mais là, au vu de ce qui se passe, c'est clairement un monde dystopique et c'était vraiment chouette. Comme je vous l'ai dit au tout début, enfin premier clip du vlog, j'avais un peu peur d'être un peu perdue parce que le premier tome est quand même très riche, on a déjà plein de personnages, tout ça. Et j'ai quand même galéré au niveau des personnages. Qu'on retrouvait du premier tome, de me rappeler un petit peu qui était qui et qui a fait quoi, mais au fur et à mesure du roman, on les remet un petit peu dans le contexte, donc ça va. C'est juste qu'il y a énormément de personnages, déjà là, il y a plein de nouveaux personnages liés justement à d'autres groupes qui font partie de la pègre, qui rentrent en jeu, et du coup, c'est pas un roman très facile pour vraiment comprendre qui est qui directement. Vous avez tellement de personnages différents qui rentrent en jeu que des fois, c'est assez facile de s'y perdre. Et voilà, je tenais quand même à vous dire que c'est pas forcément un roman hyper, hyper facile au niveau de la mise en place de l'univers, que ce soit dans le premier tome. Les personnages arrivent petit à petit dans le premier tome, donc les personnages ça va pour le premier tome, mais là par contre il y en a énormément. Mais si vous avez réussi à assimiler un petit peu grosso modo l'univers dans le premier tome, ça va aller tout seul dans celui-là. Et voilà, je peux que vous conseiller cette saga parce que franchement, moi je préfère tellement cette saga au Prieuré l'Oranger. Je sais pas, le Prieuré l'Oranger, je trouve que l'auteur va très vite en fait pour son one shot de fantasy et moi c'est ce qui m'avait manqué en fait, c'était plus de profondeur, plus de moments un peu lambda avec les personnages pour apprendre vraiment à les apprécier, pour approfondir son univers et tout. Et là je trouve que c'est parfait parce qu'elle prend son temps pour créer son univers, elle approfondit énormément les personnages, il y a des personnages qui sont un peu secondaires que là on découvre beaucoup plus dans ce deuxième tome qui du coup monte un petit peu dans l'échelle des personnages, deviennent un peu des personnages principaux et c'était vraiment chouette. Franchement j'ai adoré ma lecture, moi j'ai passé un super moment et j'attends vraiment la sortie du tome 3 qui j'espère ne va pas trop tarder et normalement je crois que c'est automne 2021. Et j'espère qu'ils vont garder la couverture un peu jaune et noire comme ça, je la trouve vraiment magnifique pour ce tome 3. Du coup j'ai décidé de changer littéralement de style de lecture et j'ai voulu piocher un petit peu dans ma pile à lire estivale et j'ai donc pris Miséricorde de Jussi Adler Olsen, voilà, qui est un thriller que j'ai vu énormément passer, c'est le premier tome d'une grande saga qui du coup vont mettre en avant les enquêtes du département V. Donc là pour l'instant dans le premier tome on est justement dans la mise en place de ce département. On va suivre pour l'instant deux personnages et deux temporalités. On est en 2002 avec une femme qui s'appelle Meret, je crois que c'est ça, voilà, qui est une femme assez importante au niveau du milieu de la politique. On découvre un peu sa façon de vivre, le fait qu'elle veut pas s'attacher à quelqu'un et en fait elle vit avec son frère qui est du coup handicapé et elle s'occupe énormément de lui. Et en fait on a aussi une autre temporalité en 2007 qui va nous permettre de faire la rencontre d'un flic qui s'appelle Karl, qui est un flic qui a eu il y a quelques mois de ça, il a subi une fusillade. Et en fait, ses deux collègues avec lui, il y en a un qui est décédé et il y en a un qui est paralysé à l'hôpital. Donc c'est le seul qui s'en sort plutôt bien en fait dans cette histoire. Et donc nous on le suit en fait là en 2007 où il reprend un peu le boulot. Et on va dire que les collègues au niveau de là où il bosse sont pas très très... je sais pas, je les trouve assez... pas compréhensible par rapport à ce qu'il vient de vivre et du coup ils vont devoir faire une restructuration, ils vont devoir créer un nouveau département qu'ils vont appeler département V
par rapport à quelque chose. Et du coup, on va, pour se débarrasser un petit peu de Karl, ils vont dire à Karl, bah voilà, comme il est assez gradé, c'est un lieutenant, je crois. Quelque chose comme ça, on va lui dire voilà, c'est toi qui vas être en charge de ce département, ce sera un département où on va te mettre des affaires qui sont en stand-by et qui n'ont jamais été résolues depuis pas mal de temps. Et donc lui, il se retrouve tout seul dans ce département, il va juste demander quelqu'un pour l'aider, pour tenir l'endroit clean, quelqu'un qui va l'aider pour faire un peu le ménage, pour trier des papiers, pour lui faire du café, enfin voilà, il va être avec une autre personne. Et bon bah c'est pas forcément un département très mis en avant vu qu'on va le mettre au sous-sol, dans une pièce au sous-sol. Voilà, on lui montre un petit peu que on n'a pas trop envie de s'intéresser plus que ça à ce département qui est un peu. C'est un département où ils sont obligés de le mettre en place parce que la politique a un petit peu mis les pieds dans ce qui se passe au niveau de ce commissariat, je sais plus vraiment de où est-ce que ça se situe. Bref, du coup, on va suivre les deux personnages là avec les deux temporalités différentes et Karl va justement tomber sur une affaire, il va choisir celle-là pour la toute première affaire du département V qui est donc la disparition assez mystérieuse de Meret du coup. Donc on sait que la femme qui nous est présentée dans l'année 2002, elle a disparu, donc là on va suivre, je pense, sa disparition avec les années 2002 et du coup on a Karl qui va essayer de savoir ce qui se passe. Donc voilà pour un petit peu le pitch de cette histoire. J'ai commencé que hier, donc j'en ai lu que 95 pages. C'est un style, j'avais un peu oublié que c'était un auteur nordique et du coup c'est un style un peu lent, ça se met en place tranquillement. Là on commence seulement à rentrer un petit peu dans ce que va faire le département V, dans l'enquête qui va seulement s'ouvrir. Donc voilà, c'est un style très particulier par rapport aux autres thrillers, par exemple par rapport à Amstramgram que j'ai lu récemment, où c'était très haletant dès le départ en fait, c'était ça enchaînait. Là on pose un peu les personnages, on pose l'univers et on arrive tranquillement dans l'enquête. C'est un peu le même genre que Un cri sous la glace de Camilla Greb que j'avais lu, qui est également un thriller nordique où du coup ça prend son temps. Donc bah, j'espère que ça va me plaire parce que j'avais trouvé des longueurs en fait dans Un cri sous la glace. Là pour l'instant ça va, ça se met tranquillement en place, mais il n'y a pas trop de longueur parce que on a quand même la création du département, on a la double temporalité qui fait que c'est quand même intéressant et on voilà, je m'ennuie pas pour l'instant dans ma lecture. C'est un roman qui fait quand même plus de 500 pages, j'ai fait quasiment 525 pages. Donc j'espère que ça va être haletant pour me tenir vraiment en haleine jusqu'au bout. Parce que bon, l'histoire de disparition, même si on a compris que c'était une disparition assez particulière parce que elle est rentrée dans un train je crois, et en fait elle est jamais ressortie. Je pense qu'elle a été jetée à l'eau et en fait on n'a jamais retrouvé son corps, donc les gens pensent qu'elle est morte en fait tout simplement. Donc voilà, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc j'espère que ce sera haletant. Donc voilà, j'espère que le style va me plaire, que ce sera pas trop long et que je vais apprécier ma lecture jusqu'au bout. André, je voulais vous montrer un petit peu, j'ai mis ma pile à lire que je vous ai présentée du coup pour cet été, ma pile à lire un peu estivale, j'ai mise comme ça au-dessus de la bibliothèque pour que je puisse la voir assez facilement et pour du coup que je puisse piocher directement dedans. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa de mettre ça ici. Et du coup je vous avais jamais montré, j'ai l'étage en dessous en fait, bon, il y a plein de bordel avec plein de marque-pages derrière. C'est là où du coup j'entrepose mes livres en attendant de vous les présenter en boucle. Et du coup ce que je fais quand je les ai lus en fait, déjà je les retourne pour voir un petit peu quel livre j'ai déjà lu en fait dans le mois par rapport à ce qui est rentré dans ma bibliothèque. Donc malgré le fait que je les note aussi dans mon bullet journal, du coup j'entoure en fait à chaque fois que je lis un livre qui est rentré dans ma bibliothèque. Comme ça me permet de voir un petit peu les livres s'ils sont dans ma bibliothèque depuis longtemps ou pas. Donc voilà un petit peu pour mon organisation, on va dire. C'est juste que j'ai une étagère libre pour l'instant et du coup je laisse ici. Mais voilà, du coup j'ai mis ma pile à lire là au-dessus du meuble, comme ça c'est assez facile pour moi de voir un petit peu ce que je vais lire après. Je vous avoue que je sais pas vers quoi me tourner de toute façon là après le thriller. J'ai bien pioché déjà dans les livres qui ont rejoint ma bibliothèque ce mois-ci. Mais par rapport à ma pile à lire estivale, je vous avoue que je ne sais pas trop vers quoi aller. Donc voilà, j'ai bien envie de lire celui-là mais j'ai peur que ce soit très très...
plein d'émotions, j'ai pas envie de pleurer. Après, La couleur des sentiments également, j'ai très envie de sortir enfin de ma pile à lire. J'ai bien envie de partir dans la suite des affaires d'Andrea Corte. Robert Jackson Bennett, j'aime beaucoup le style, donc j'aimerais bien le lire aussi. Et après, j'aimerais bien lire pas mal de contemporains ou un peu d'historique aussi. Je pense qu'il y a Le réseau Alice qui va passer dans pas si longtemps que ça, parce qu'il me tente énormément. C'est juste qu'il est très gros. Ou Le bruissement du papier des désirs aussi, qui est plutôt court, et ça me permettrait enfin de découvrir l'auteur, parce que bah, beaucoup de personnes en ont dit beaucoup beaucoup de bien, donc j'aimerais bien le lire dans pas si longtemps que ça. Voilà, ou alors Anna Hope aussi avec La salle de bal, qui du coup se passe dans un asile psychiatrique. Donc voilà, je sais pas trop vers quoi je veux partir, mais de toute façon je vous tiendrai au courant après ma lecture du thriller. Je vous retrouve, on est mercredi 23 juin et juin pour vous montrer un petit peu des petits achats que j'ai pu faire au Furet du Nord. Donc tout à l'heure, je vous ai mis un petit clip pour vous montrer que je suis allée faire un petit tour là-bas. J'ai également reçu un roman des éditions Actes Sud et du coup je voulais également vous parler de la lecture que j'ai terminée et des deux lectures que j'ai en cours. Alors au niveau du Furet du Nord, je suis allée me procurer le tome 5 de Made in Abyss et le tome 6 également. Donc le 5 il est comme ça, il est vraiment super joli. Je vous ai montré dans mon book haul de mercredi que j'avais pris le tome 3 et 4 le mois dernier, qui sont déjà lus, et du coup là je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de continuer cette saga. Et voilà, j'aime vraiment énormément les graphismes, tout ça. C'est vraiment deux ambiances, ça par contre, pour le tome 5 et 6. Donc voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur. Je vais pas trop vous montrer pour pas spoiler vu que c'est un tome 5. Donc voilà, je pense les lire très rapidement parce que vraiment c'est une saga que j'adore énormément et bah du coup voilà, j'ai envie de continuer assez vite. Du coup j'ai également reçu un livre des éditions Actes Sud. Alors j'ai déjà reçu des services presse des éditions Actes Sud mais plus dans leur collection Exofiction. Et là du coup j'ai eu la chance que l'attachée de presse, je crois, c'est comme ça, ou la attachée de presse je pense, me propose, enfin une autre attachée de presse d'édition Actes Sud me propose de découvrir le nouveau roman de Josy Picou qui est paru très récemment il me semble, puisque j'ai lu Une étincelle de vie la semaine dernière. Donc voilà, là j'ai eu la chance de recevoir le dernier roman et ça me tentait plutôt bien parce qu'on est sur un livre qui va, alors il y a une partie qui se passe en Égypte d'ailleurs, on peut voir au niveau de la couverture, c'est bon, ça fait un peu égyptien quand même. Et, du coup on va suivre deux personnes, une femme et un homme, et je crois en fait qu'ils vont se retrouver. Donc là on nous dit que c'est un voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte, entre le royaume des morts et le royaume des vivants, entre terre et eau. Un roman puissant sur ces choix qui modifient le cours de nos vies. Donc voilà, ça me tentait plutôt bien. Je pense que je vais sortir assez rapidement parce que, je sais pas, la thématique me plaît bien. En plus, ça se passe en Égypte, tout ça. Donc ça peut être très chouette. Il est vraiment balèze, il fait plus de 500 pages, je crois, ou quasiment 500 pages. Donc voilà, j'espère que j'aimerais bien parce que j'ai bien aimé le style de l'auteur. Il y avait juste la façon dont le roman Une étincelle de vie était construit qui m'avait pas forcément plu parce que je trouvais ça un peu fouillis. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir découvrir d'autres titres de l'auteur. Sinon, au niveau de mes lectures, j'ai terminé le thriller que je vous ai présenté la dernière fois, qui est donc Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, qui a été plutôt une déception en fait. Je pense que j'en attendais énormément parce que c'est une saga qui a fait énormément parler d'elle. Ces premiers tomes de la saga des enquêtes du département V, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous avais fait un petit résumé où je vous disais qu'on suivait deux personnes et deux temporalités différentes. Je vais pas faire un résumé plus précis que ça parce que vraiment c'est un roman où il faut rentrer dedans, il faut découvrir les personnages et j'ai pas grand chose à vous dire au niveau du résumé. Ça va être la résolution justement de la disparition de Meret qu'on retrouve du coup dans la temporalité de 2002, je crois, si j'ai pas de bêtises. J'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était très lent.
C'est un roman qui fait quasiment 500 pages et en fait je pense clairement que les romans un peu de thriller nordique ne sont peut-être pas faits pour moi parce que c'est un peu le même sentiment que j'ai eu avec Un cri sous la glace de Camilla Greeb. J'avais trouvé que c'était très lent et que il manquait un peu de punch dans ce genre de thriller et moi j'aime bien les thrillers qui sont très haletants, où on a envie de tourner les pages, où vraiment on a ce sentiment de je peux pas poser le roman quoi. Et là c'était pas le cas donc voilà, un peu déçu par rapport à ça. Après j'ai trouvé que la construction des personnages était vraiment chouette, je me suis vraiment attachée au personnage du flic et à Assad, je crois, oui, Assad, qui est du coup un peu l'homme à tout faire au début, mais qui va être beaucoup plus important que ça dans cette histoire. J'ai bien aimé en fait les personnages, mais vraiment, je trouve que l'enquête en soi est pas folle. C'était pas le truc qui m'a retourné le cerveau non plus à la fin de l'histoire, donc vraiment, voilà. Franchement, je sais pas encore si je vais continuer dans cette saga et si je continuerai à lire des thrillers nordiques parce que. Ben, j'ai pas l'impression que ce soit pour moi, tout simplement, parce que ça c'est quand même une saga qui est très 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 appréciée, et ben, je me dis si ça le fait pas avec moi, c'est que bon, je suis peut-être pas le public pour ce genre de thriller, en fait, peut-être que ça me correspond juste pas, donc voilà, je vous le conseille quand même, parce que enfin, il faut faire son propre avis, si jamais vous aimez bien les thrillers nordiques, si vous aimez bien le style un peu lent comme ça, ben ça peut vous plaire, le livre n'est pas mauvais, mais c'est juste que vraiment, il m'a manqué le côté page-turner, en fait, que j'aime énormément dans les thrillers, donc un peu dommage. Et par contre, petite trigger warning pour les personnes qui sont un peu claustrophobes, pardon. Parce que, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais si vous êtes un peu claustro, c'est pas évident à certaines parties du livre. Voilà. Et du coup, au niveau des lectures en cours, j'ai commencé Un souvenir nommé Empire de Arkady Martin, donc publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Pareil, je vous l'ai présenté dans mon book haul mercredi et j'avais très envie de le commencer. Donc voilà, j'en suis page 140. J'aime bien. Franchement, j'étais très très à fond au début et en fait, je suis redescendue un petit peu au niveau de mon avis. Là, pour l'instant, ça se lit bien. J'aime bien, je vais continuer ma lecture tranquillement. Mais je sais pas, j'étais vraiment super bien au niveau de ma lecture au tout début. Et en fait, d'un coup, ça s'est un petit peu... je sais pas, j'aime bien, mais un peu sans plus là pour l'instant au niveau où j'en suis. Donc j'attends de voir un petit peu pour vous en reparler. Et du coup, bah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai commencé Rendez-vous avec le crime. Donc le premier tome des Détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman que je vous ai présenté en tout début de ce vlog. J'avais très envie de commencer le genre du cozy mystery et du coup j'ai à peine débuté, hein, j'ai lu 41 pages. Donc voilà pour mes deux lectures en cours. Je sais pas si j'aurai le temps de les terminer à deux avant la fin de ce reading vlog. Celui-là, je pense qu'il va se lire très vite parce que bah, il fait quasiment 380 pages, quelque chose comme ça. Là, ça demande un peu plus de concentration, donc je prendrai mon temps pour le terminer si jamais je n'ai pas le temps de le terminer d'ici la fin de ce reading vlog. Donc voilà un petit peu pour ben, ce petit point avec les achats. Bon, j'ai acheté d'autres trucs aussi, mais je vous montre pas tout pour, bah, pour garder aussi des choses pour les boucles. Mais voilà, un petit peu pour mes lectures en cours, ma lecture terminée et du coup ma réception de jeudi Picou et les deux achats manga que je vais pas tarder à lire, ça c'est sûr. On est samedi 26 juin et je vous retrouve pour clôturer ce reading vlog puisque j'ai terminé une des deux lectures que je vous ai présentées la dernière fois. La deuxième qui est Un souvenir nommé Empire, je vous présenterai dans le prochain reading vlog parce que je ne l'ai pas encore terminé et que vu que je ne vous en ai pas encore parlé dans ce vlog, bah, au moins je vous en reparlerai uniquement dans le prochain. Donc là j'ai terminé Rendez-vous avec le crime, donc le premier tome des Détectives de Yorkshire de Julia Chapman. Ça a franchement été une très très bonne lecture, j'ai passé un super moment de lecture avec ce premier cozy mystery pour ma part. Alors ça se passe dans une petite ville qui est la petite ville de Burncliff dans le Yorkshire et en fait on va suivre deux personnages, on va suivre Delilah qui est une jeune femme qui habite depuis sa tendre enfance dans ce village qui est une sorte de village où tout le monde connaît tout le monde, où vraiment on peut rien cacher en fait parce que les voisins sont un peu des amis et tout le monde vraiment c'est tout ce qui se passe chez les autres. Delilah qui a ouvert une sorte d'agence en fait de rencontres sur internet, elle est passionnée par le développement web et du coup elle a créé son propre site internet avec justement une sorte d'agence de rencontres qui fait des rencontres justement virtuelles mais aussi réelles avec des sortes de speed dates comme elle appelle.
Et en fait, ça n'a pas forcément plu à beaucoup de monde dans ce petit coin là-bas, parce que les gens se sont dit, mais on n'a pas besoin de ça, tout ça. Et bah forcément, voilà, elle a été mise un petit peu à côté. On suit un autre personnage qui est Samson, qui lui a habité dans cette ville quand il était jeune avec son père, et qui, à 14 ans de ça, a quitté cette ville. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. Et en fait, il va refaire surface. Là, au tout début de ce roman, il revient dans sa ville natale. Et bah, les gens ne comprennent pas pourquoi il revient. Et du coup, personne n'apprécie vraiment le fait qu'il soit là. Il y a plein de personnes qui lui reprochent pas mal de petites choses, notamment Delilah, puisque elle a perdu son frère qui était le meilleur ami de Samson, et en fait Samson n'a jamais donné le moindre signe de vie, il n'est pas venu à l'enterrement, donc voilà, elle lui en veut quand même beaucoup. Du coup, on va apprendre pourquoi Samson est revenu dans cette petite ville, et bien sûr c'est un cozy mystery. Vraiment, on va avoir des meurtres très différents les uns des autres qui vont être commis. Et on va se demander du coup qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville. Le Samson est venu et a décidé d'ouvrir une sorte d'agence de détective. Et bon bah il y a plein de personnes qui vont lui rire un petit peu au nez en disant mais il n'y a pas besoin de ce genre de choses là dans notre petite ville, personne ne va t'embaucher. Alors que la maman d'une personne qui a été, en fait, son fils s'est techniquement suicidé. En fait, la mère ne croit absolument pas au suicide et elle vient justement voir Samson dès qu'il ouvre son agence pour lui demander d'éclaircir un petit peu cette affaire, parce qu'elle dit que son fils n'aurait jamais fait ça, et donc elle soupçonne possiblement un meurtre. Donc en fait, Samson va commencer à enquêter là-dessus et il va y avoir d'autres meurtres qui vont être faits, et donc au fur et à mesure il va commencer à enquêter dessus. Et bien sûr il va avoir un bureau dans le même bureau que Delilah, et du coup forcément tous les deux vont plus ou moins être liés à la résolution de ces enquêtes, tout ça. Donc ils vont former un petit duo sans forcément le vouloir, et donc on va suivre ça dans ce premier tome. Franchement, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Déjà, je trouve que pour un cozy mystery comme ça, je suis très contente d'avoir choisi ce premier tome de cette saga, parce que c'est un titre qui est très actuel, c'est vraiment contemporain, c'est pas quelque chose qui se passe dans les années je sais combien. C'est un style d'écriture qui se lit tout seul, on arrive énormément à rentrer, enfin on arrive directement à rentrer dans l'histoire. Moi je me suis attachée directement aux personnages, il y a plein de personnages très différents. Au début ça peut être, on peut se demander si on va réussir à tous les distinguer, mais au fur et à mesure ça va, c'est juste les deux premiers chapitres, je dirais. Il faut avoir le temps de se dire on est dans une petite ville, du coup on va quasiment connaître pas tout le monde, mais beaucoup beaucoup de personnes quand même, avec des noms assez particuliers aussi. Mais franchement, l'ambiance était là, les personnages étaient vraiment bien construits. J'ai beaucoup aimé l'enquête et l'intrigue. Franchement, j'ai même pas su en fait le dénouement de l'histoire. Donc je me suis dit que pour un cozy mystery, peut-être que j'arriverais à connaître le dénouement de l'histoire avant la fin, et en fait pas du tout. Donc voilà, je suis très 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 contente de ma lecture. J'ai rien à dire en fait pour ce titre là en plus il est pas très long, il fait 380 pages. Donc on n'a pas forcément le temps de s'ennuyer, il y a quand même plusieurs meurtres qui se passent là-dedans, et du coup on a la découverte des personnages, on a la découverte de cette petite ville, on apprend un peu plus sur leur passé, et de toute façon là, au vu de la fin du premier tome, on sait qu'on va continuer à suivre ces deux personnages là et qu'on va apprendre davantage de choses sur le passé, notamment de Samson, parce que bah il cache des petites choses. On sait pas trop pourquoi il a dû quitter Londres, parce qu'il était parti travailler à Londres. Il travaillait notamment dans il était enquêteur je crois, et en fait il faisait il était infiltré pour démanteler un truc de drogue, et en fait il a dû partir, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu plus de choses sur son passé aussi. Franchement j'ai vraiment passé un super moment, je regrette pas du tout d'avoir commencé les Cozy Mystery avec ce titre là. Donc voilà pour ce reading vlog, je pense que je vais clôturer ici parce que j'ai déjà commencé le montage et il est déjà
très long. Je vous parlerai du coup de mes nouvelles lectures dans le prochain que je vais entamer directement, puisque j'ai démarré une autre lecture en plus que Un souvenir nommé Empire. Donc je vous montrerai ça, et en plus de ça, je suis allée chez ma belle-maman qui m'a prêté des livres, donc je vous montrerai ça aussi dans le prochain reading vlog. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présentés. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.